Hello tout le monde, c'est comment allez-vous? Moi je vais bien, on se retrouve aujourd'hui sur The Bidding of Isaac, un petit jeu que Percy m'a donné il y a pas mal de temps que je n'ai jamais réussi à enregistrer pour vous proposer un gameplay, mais là on va dire que, bah je sais pas, là il y a envie de... Action Myris a envie d'enregistrer sur le jeu, donc j'en profite pour donc vous proposer un petit gameplay dessus. Donc c'est un jeu survival Defend Retry, si je me trompe pas, c'est-à-dire que on évolue notre personnage au fur et à mesure qu'on avance, mais dès qu'on meurt, on recommence tout. Donc ici, on va jouer un petit enfant abandonné de sa mère, je crois, où on devra récupérer, je sais pas si on peut jouer à la manette, apparemment non, où on devra récupérer donc tous des objets pour on va dire améliorer son stuff et tout ça. C'est un peu comme Héros Siège, comme je vous avais proposé, mais sous un style graphique différent. Donc on va select, voilà, de toute façon on a que lui. Il me semble pas qu'on puisse jouer à la manette. Non, on peut pas. Du coup je vais ranger la manette et on va jouer au clavier. Par contre c'est en... Ouh là là, c'était en QWERTY, du coup j'ai modifié. Alors SHIFT et E pour placer des bombes et espace pour ramasser un item, très bien. Donc là il faut une clé, donc on se barre de l'autre côté. Ok, ça commence bien, déjà contre un mob. Voilà, on ramasse le petit cœur parce qu'on a plus de trucs. Alors c'était quoi SHIFT et E? Ah mais j'ai plus de bombes du coup que j'ai balancé la mienne, putain. Par contre, ce que je vais faire, est-ce qu'il y a moyen de baisser le son de la musique? Il n'y a pas moyen. Je verrai comment ça rend. Comment on revient au jeu? Voilà. Je verrai comment ça rend sur la vidéo. Logiquement, j'avais configuré pour que Action enregistre ma voix plus fort que le jeu. Mais bon, on verra. Alors, ok, j'ai ramassé une carte. Oh putain, je suis déjà parti contre le boss, le con. Je suis mort. Laissez tomber, je suis mort. Je vais crever. Il me reste deux cœurs. Oh, m'en fous, je le tank. Tu vas crever, bitches. Allez, tu vas die. Il reste un demi-cœur, je me fais toucher, je suis mort. Wouah, tout pile. Oh, il y a un cœur qui se balade là. Ouh, oh, il y a un autre cœur en haut. Il y a moyen de revenir. Ah, nice, il y a moyen de revenir avant. Par contre, je voudrais pas leur tuer après quoi. On pouvait aller en bas là. Voilà. Ouah, des zombies. Ok, hop, on va récupérer des cœurs. Là-bas, je sais pas ce que c'est. C'est pour acheter des trucs. Mais les bobibons. Voilà. Hop, on éteint les feux. Non, ça sert à rien, on s'en bat les couilles. On va aller voir ce qu'il y a là-bas. Hop, bon il reste plus que lui là-bas en haut là. Nice, oh une clé. Il y avait une clé je crois au début, un mètre. Mais par contre je vais enlever ma souris. Il me semble qu'il y avait une clé à mettre en haut là. Ah bah oh, j'ai remarqué qu'il y avait la map en haut à gauche. Voilà, nice. Alors, je peux acheter une boussole. On peut pas le tuer, lui. Non. On peut acheter une boussole ou une clé pour 5 pièces. Aïe, putain, je suis en train de me cramer, le coup. Comment on sait que j'ai de pièces?
J'ai pas l'air d'avoir d'argent. Ok. Ah bah non, j'ai zéro. Ok, il y a les pièces écrites en haut. J'ai pas d'argent. Ah, je sais pas, par contre, le coffre, je peux peut-être l'ouvrir. Ah bah voilà, j'ai une clé. Ah. Bon, en espérant que je vais pas retuer le boss. Non, ça va. Ça va, ça va. Ouais, j'ai un cadeau. Ok, c'est un caca avec des mouches. Trop bien. Donc là, c'est bon. Oh putain. Putain, ils mettent la pâtée direct, quoi. Oh, il pleure. Revenez, je vais pas vous tuer. Je vais vous couper en deux. Oh putain. What? Il lâche des bombes, ces enfoirés. Oh, une pilule. Ah, ça rendait toute la vie, très bien. Je le saurai pour la prochaine fois. Putain, mais je prends tellement cher. C'est genre là que je devais utiliser peut-être la pilule. Putain, mais c'est sérieux quoi. Crever comme un con. On va partir. Pourquoi il y a un truc là? Ah, mais j'avais oublié ça. Ah, d'accord, tu donnes un point de vie contre une pièce. Putain, un truc. L'arnaque quoi. Ok, ça fait que dalle. Oh putain. Je vais pas me faire chier, je vais faire ça. Voilà. Vas-y, j'utilise tout moi. Oh, je vole. Max head. Dommage up. Oh. Oh, je fais des grosses boules. Par contre, c'est con parce que j'ai plus de vie. Ça, c'est con. Ah, ils ont pensé à moi. Donc, stratégiquement, faut que je le place, je pense, là. Tant pis pour les mines. Hein. Je préfère récupérer de la vie. Ok, donc là, faut que je revienne sur mes pas. Ça, on va éviter de le toucher. Oh putain, comment je les pète. Ok, c'est pas encore le boss. T'as un zid dans les bois des cœurs, wesh. Comment je les viole, les mecs. What the fuck. Putain. Fuck, j'ai plus de mine. Oh non. Tant pis. Peut-être que je vais ramasser une mine sur lui, qui sait. Oula. Toi, tu dégages. T'es mince, un cœur quoi. Ah d'accord, faut tuer ces trucs derrière avant sa tête. Comme ça il meurt. Y'a pas des trucs qui peuvent se cacher dans le caca là. Allez, reviens toi. Ah si, y'a des cœurs. Pété. Ah, j'ai un cœur. Un cœur gris, je sais pas ce que c'est, cœur gris. Et là, ça, je sais pas ce que c'est non plus. Je ramasse tout. HP up. Ah, j'ai plus de vie. Ouh. Oh putain, j'ai pas eu de bombe, fait chier quoi. Bon, tant pis. J'aurais une bombe, c'est bien. Ah, on est retour à light.
Ah, il n'y a plus de papier toilette! Oh mon dieu! Allons à droite. Oulala, oulala, oulala. Eh, oh, on se calme, on se calme. Je suis pas votre ami, moi. Dégagez, dégagez, dégagez. Oh putain! Oh putain, ils revivent, ces enfoirés! Faut que je détruis leur. Leur merdasse, là. Die, bitches! Oh, une caisse. Oh putain. Mais c'est quoi de ces monstres, sérieux? Je peux les tuer que seulement ils sont levés. Non. Allez, lève-toi, bâtard! M'en fous, je te pousse de l'autre côté de la map. Dégage! Boum! Ok, en fait, je peux les tuer seulement si ils sont levés. Putain, mais ils mettent tellement cher, quoi. Voilà. On va aller voir en bas. Ouais, j'achète un cœur moi. Puis c'est tout. Parce que je peux rien acheter d'autre. Je sais pas si c'est utile de. What the fuck? D'accord, faut que je me cache là. Mais genre. Voilà. Par contre, je pourrais pas le chercher au milieu. Oh, les clés! Skeleton Clays! Ok, là, c'est pas toujours pas le boss. C'est marrant parce que la salle d'avant, ils te mettent 50 millions de mobs. Et juste après, t'as un mob quoi. Oh là, oh, c'est le boss. On se casse. On va aller voir dans les autres salles. Bon, ce qui est bien, c'est que je peux pas tomber dans les trous. Moi, je suis tronqué. En bas, j'y suis allé. Là, j'ai fait. Putain, j'ai 80. What? J'ai 99 pièces! 99 clés! Ouh, c'est des grosses bouches, ça. Non, je suis mort! Oh le con! Non, je suis deg! Bon, bah, je pense que je vais m'arrêter là. Du coup, bah, ouais, ça fait quoi 10 minutes de game? Je vois pas le temps parce que je suis pas en mode jeu directement. Mais bon, j'espère que la petite vidéo vous aura plu. Donc, c'est juste assez sympathique. Ça ressemble un peu à Gros Siège ou Rampage Night, comme j'avais fait en vidéo. Donc, si vous aimez les petits jeux de plateforme comme ça, n'hésitez pas à vous le procurer. C'est super sympa. Donc, je vous remercie encore. Merci de m'avoir filé le jeu pour que je vous propose une petite vidéo. C'est vraiment sympathique. Je passe un petit peu plus de temps dessus pour vraiment débloquer tous les personnages et tout ça. Enfin bref, donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à commenter, partager la vidéo. Rejoindre la chaîne, le Facebook, le Twitter, tous les liens sont dans la description comme d'habitude. On se retrouve très bientôt pour un prochain gameplay. Portez-vous bien et à bientôt.